Je m'appelle Joëlle, j'ai 58 ans. J'étais mannequin, commercial, chef de pub. J'avais parfois trois métiers dans la même semaine. Et il y a 10 ans, j'ai commencé à me former en sexothérapie et en psychologie. Donc aujourd'hui, je suis sexothérapeute et accompagnatrice de plaisir féminin et de bien-être. Moment où ma carrière s'est arrêtée, donc est-ce le hasard? Je ne sais pas. De toute façon, c'était de plus en plus difficile, puisque c'est quand même un métier d'image et que, contrairement à ce qu'on pense, on ne veut pas de femmes d'un certain âge. Donc effectivement, une fois, on m'a dit clairement, non, non, le client veut des filles de 25 ans, même si tu es bien conservée, tu es trop vieille. C'était idiot parce que j'avais une expérience et j'ai trouvé que c'était stupide et j'ai réalisé à quel point on avait à partir de 50 ans une date de péremption. Donc j'ai voulu changer ce regard sur les femmes. L'anecdote, c'est que quand j'ai su que j'étais ménopausée, je ne l'ai pas dit à mon amoureux mari. Parce que j'avais l'impression que j'allais lui dire, ça y est, t'es avec une vieille. Donc, je l'ai caché pendant des années. Et comme j'avais ce fameux stérilet où je n'avais pas de règles, il s'en est pas aperçu. Mais c'était plus là, moi, que finalement, physiquement. Mon rendez-vous chez le gynéco pour la ménopause, ça a été terrible. Parce que quand elle me l'a annoncé, mais d'un coup, j'ai eu l'impression que le monde s'écroulait. J'avais l'impression que ça y est, j'étais devenue le troisième âge, que j'allais plus servir à rien. Je l'ai très mal vécu. Elle m'a regardée, elle m'a dit, mais c'est pas la fin du monde. Et j'étais là, mais oui, mais c'est la fin du monde. Donc j'en ris encore, hein. Alors, moi, personnellement, je prends un traitement hormonal depuis 10 ans. Alors, attention, moi, je suis sexothérapeute, je ne suis pas médecin. Donc, je dis que c'est propre à chacun. Il y a des gens qui utilisent des plantes, des huiles essentielles. Moi, je pars du principe que si on est bien dans quelque chose, ben, il faut continuer là-dedans. Je n'ai pas de jugement par rapport à ça. C'est très personnel, ça. Moi, ça me convient, donc je continue. Bien sûr, j'ai changé des choses depuis que je suis ménopausée parce que je me suis aperçue que je digérais de moins en moins bien. Donc, il fallait vraiment que je change ma manière de manger. Il fallait que je consomme moins de sucre. Il fallait que le soir, mon repas soit plus léger. Le sommeil est plus perturbé. Il ne faut pas que je dépasse une certaine heure pour aller me coucher, sinon je saute un cycle. Et il faut faire du sport. Il faut, après, moi, j'ai toujours fait du sport quand même, mais là, il faut vraiment. On est un peu plus fatigué, certes, mais il faut se forcer au moins à aller marcher, à dépenser de l'énergie, s'occuper de soi, si on peut, se faire masser. C'est la liberté, c'est le recul, c'est le détachement, c'est le lâcher prise, c'est l'épanouissement sexuel. Sans problème, la ménopause. J'aurais pas dit ça quand on m'a annoncé que j'étais ménopausée. Hein. Aujourd'hui, la vie coûte beaucoup plus cher. Les enfants restent de plus en plus longtemps chez leurs parents. Et là, d'un coup, les femmes se retrouvent en tête à tête avec leur chéri. Donc, où elles n'ont plus rien à dire, ou au contraire, c'est redémarrer une nouvelle vie. Et je trouve que c'est un âge où on est dégagé énormément de problèmes. On n'a plus les enfants à gérer. Ils sont dans la vie active, etc. Et donc, on peut penser à soi et à l'autre. À 55 ans, j'ai sauté en parachute. J'en rêvais depuis que j'étais gosse. Mais là, je sais pas, il y avait un truc, je disais, ouf, allez, on y va. Pas une seconde, j'ai hésité. Je crois que c'était 4 500, je crois, d'altitude. Hop, j'ai foncé. J'aimerais vraiment être le lien qui aide les femmes à s'épanouir. Quand je vois des femmes qui sont pas bien dans leur vie, qui disent oh, ben maintenant c'est bon, je suis vieille, je sers plus à rien. Moi, je veux arriver à les aider, à les booster, à ce qu'elles se réapproprient leur corps, à ce qu'elles se sentent femmes, à ce qu'elles se sentent épanouies, sexy. Voilà, moi, c'est ça que je veux. Je veux arriver à faire passer comme message, à aider ces femmes-là à avancer dans leur vie. La vie est merveilleuse. Accueillez-la, croquez-la.
Profitez, épanouissez-vous.